Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président donc d'Amiba Oui. d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, mais il a... nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales donc. Quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qui l'ont envoyé ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je ne suis pas au courant, ils ne sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc quand je dis ça aux hommes, ils disent non, ils ne vont pas embarquer derrière ce gars. Bon. À l'heure actuelle, qui sont les Oui. hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision à Babassi, et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville. C'est nous qui tenons la télévision, voilà, vers le rond-point des martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne, donc parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Oui. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons, ce pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Alors, les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Est-ce que ce sera une transition militaire ou civile? Ah non, pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Le communiqué d'hier est assez clair. En attendant des assises qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était d'être de mettre, de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Mais nous voulons combattre, nous voulons protéger nos populations, nous voulons sortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. L'homme, c'est important. Il faut tomber avec lui dans l'herbe, combattre, rouler et comprendre la souffrance que nous endurons. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. Parce que nous, pourquoi les hommes sont avec nous? C'est parce qu'ils connaissent nos objectifs, ils nous connaissent très bien ce patriotisme qui nous anime. C'est ça la réalité. Donc partout au Burkina, dans tous les corps, vous n'allez pas arriver dans un seul corps où vous n'allez pas entendre peut-être parler de moi. Pas parce que
je suis le plus gentil ou quoi, parce que je fais le tir avec la plupart. Et on connaît mon attachement à l'homme. Oui. Donc, cette guerre, ce n'est pas vraiment une guerre de pouvoir ou de trucs. Non. En ce moment, les Burkinabés sont beaucoup inquiets, la sous-région aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens? Tout ce que je peux dire, comme je l'ai dit, nous tenons nos positions. Nous n'avons vraiment pas eu l'intention, peut-être que c'était une erreur de nuire au président, mais voilà qu'il nous a pris pour ennemi. Mais nous allons encore essayer de donner une chance. À défaut de cela, nous serons obligés de lancer un appel à beaucoup de soldats burkinabés qui vont rallier la capitale, ce qui n'est pas forcément bien pour nous, mais nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous, nous avons nos plans, nous avons écrit tout ce que nous voulons, nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler, nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amené ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est pas un truc pour... C'est, comme je vous dis, c'est pas le pouvoir qui intéresse les gens. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. La dernière fois, j'ai souffert pour découper la situation, pour dire aux gens de faire pardon, de ne pas faire quelque chose. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'une semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu'il prend politiquement. Donc ça aussi, ça pose problème à certains Burkinabés. Je suis reparti dans mon combat. Finalement, les hommes ont décidé qu'on revienne et je suis là. Donc, ce n'est pas ma personne qui a décidé de faire ça. Donc, la CEDEAO peut rester tranquille. Ce n'est pas une question de... Si dans 4, 5, 6 mois, tout est l'ordre rétabli, ça ne sera pas militaire de toute façon. On n'est pas là pour ça. Les civils vont choisir leur président et puis on va continuer le combat.